des élus locaux, des acteurs de territoire qui réfléchissent à ces sujets, une coordination bien entendu avec l'État, il faut continuer à le travailler. Et quand je dis pouvoirs horizontaux, c'est aussi la place du monde associatif, la place des entreprises. Comment ensemble on réseaute, on travaille et on invente les solutions pour demain. Écoutez, nous avons des transitions multiples à assumer. La Bretagne, par essence, doit regarder tous les sujets, et notamment, bien entendu, le sujet de l'agriculture et de l'agroalimentaire, qui fait partie de nos grosses transitions. Mais plus globalement, nous l'avons mis dans notre projet de territoire qu'on appelle Brescop, une transition bas carbone et une transition de préservation de l'ensemble des sous-jacents de santé. L'eau, la terre, l'air, qui sont des sujets ô combien importants. Et donc, par rapport au sujet qui nous préoccupe, les villes et comment on vit ensemble, la première des priorités sur laquelle on travaille, c'est de faire en sorte de préserver la terre agricole et donc de travailler à un urbanisme, de travailler à un aménagement du territoire qui crée une certaine intensité urbaine pour préserver les terres agricoles. Écoutez, nous sommes dans un début de fin de crise Covid au niveau sanitaire, un début de grosses crises économiques et sociales qui vont nous imposer de réfléchir à notre avenir. À venir par rapport à d'éventuelles résurgences de crise sanitaire. Regardez ce qui se passe en ce moment en Chine, qui doivent nous obliger à réfléchir à notre cohésion, à notre organisation et au bon fonctionnement de l'ensemble des acteurs sur les territoires, État, collectivités compris, mais pas que. Et nous avons à réfléchir à comment on veut armer nos territoires pour penser les solutions de demain. Les solutions de demain, on le voit, c'est des entreprises qui doivent se réorganiser pour être résilientes par rapport aux crises à venir, des entreprises qui doivent s'adapter pour intégrer le télétravail, pour les emplois qui le permettent, et donc des territoires qui intègrent cela dans leur modèle. C'est une chance potentiellement pour la Bretagne. C'est aussi des gros enjeux compliqués pour une partie de notre population, et je pense notamment aux métiers postés. Il y a des métiers postés que l'on connaît bien, les infirmières, les enseignants, les camions poubelles. On voit bien que ce sont des métiers postés, on les imagine très vite. Mais on voit bien que tous les autres métiers postés qui peuvent exister dans nos usines, dans la production, qui sont des métiers importants, notamment pour la Bretagne, qui sont impactés par ces réorganisations de société, pour les hommes, les femmes, les ouvriers, les salariés, et qui sont impactés aussi par les transitions, puisque les premiers sujets sur les transitions, sur le bas carbone ou sur la préservation de la biodiversité et de l'environnement, c'est l'industrie. Et donc on est à un moment là où on dit on veut réindustrialiser et puis dans un moment où on dit il faut faire cette transition vers le bas carbone et vers des réorganisations industrielles où finalement dans l'ancien système, avant le Covid, on se disait bah, pas de ça chez nous, on met ça ailleurs et ça réglera nos problèmes. Il faut gérer cette complexité et pour la gérer, il n'y a qu'une solution, c'est des pouvoirs horizontaux avec des élus locaux, des acteurs de territoire qui réfléchissent à ces sujets, une coordination bien entendu avec l'État, il faut continuer à le travailler. Et quand je dis pouvoirs horizontaux, c'est aussi la place du monde associatif, la place des entreprises. Comment ensemble on réseaute, on travaille et on invente les solutions pour demain. L'enjeu pour nous, c'est aussi de réfléchir à nos villes. Et dans nos villes, dans nos villes moyennes, dans nos grandes villes, dans nos métropoles et agglomérations, nous avons deux typologies. Nous avons la ville telle qu'elle s'est construite historiquement, il y a les quartiers qui se sont construits après-guerre et il y a la réinvention de la ville sur elle-même qui est en train de se travailler. Les élus locaux y travaillent en premier lieu, ils sont en première ligne sur ces sujets, les maires, les présidents d'intercommunalité. La région s'y intéresse forcément, d'abord parce que comme je vous l'ai dit, nous voulons de manière volontariste freiner la consommation des terres agricoles et arrêter à terme la consommation des terres agricoles. On consomme 3000 hectares par an en Bretagne, c'est considérable. Mais en même temps, et sans jeu de mots, on veut faire en sorte que les hommes, les femmes, et notamment les plus modestes, vivent bien dans les villes. Ça veut dire réinventer les villes, ça veut dire retravailler sur les notions d'intensité, les notions de solidarité dans la ville, les services publics dans la ville, pourquoi pas aussi la place de la biodiversité, voire d'une certaine production agricole dans la ville. Ce sont tous ces sujets-là sur lesquels on doit travailler. Et là aussi, il y a des grandes phrases, des grands principes, mais il y a surtout de la complexité. Et la complexité, elle peut être gérée au niveau local. Le président de région que je suis peut avoir des grandes idées, peut même avoir des grands outils. On est en train de monter une foncière, on est en train de monter des outils, pourquoi pas, pour découpler la propriété du sol et la propriété du bien. Ce sont des sujets très intéressants sur lesquels nous sommes en train de travailler. Mais ces outils, ils seront utiles que s'ils sont pris en charge par les élus locaux, les maires, les intercos, qui encore une fois sont à la manœuvre.
qui me donne confiance en l'avenir, c'est les gens. C'est les hommes, les femmes, ceux pour qui on se mobilise. Quand on est élu de la République, quand on a l'honneur d'assumer une responsabilité comme celle-là, on se doit de regarder ce qui se passe sur nos territoires avec des hommes, des femmes qui s'organisent, qui trouvent des solutions, qui inventent des solutions, qui innovent de manière permanente. Regardez ce qui se passe notamment dans nos quartiers, dans les quartiers populaires, ces solidarités qui s'organisent, ces manières de penser des solutions pour accompagner les plus fragiles, les plus faibles, les anciens, des solutions pour gérer les courses, des solutions pour gérer les enfants, des solutions pour faire en sorte finalement d'accompagner aussi les services publics. Parce qu'il n'y a pas des mondes comme ça qui sont étanches les uns par rapport aux autres. C'est cela qui me donne confiance. Et c'est cela qu'il faut garder à l'esprit pour construire, non pas le monde de demain, le monde de demain, c'est la suite du monde d'aujourd'hui, mais construire notre avenir collectif, ce que nous voulons faire ensemble. Et prenons garde à ne pas oublier d'écouter, à ne pas oublier d'entendre les quartiers, les villes, les campagnes, on les réaménagera avec les gens qui vivent dedans, et pas avec un modèle que l'on plaquerait sur la Bretagne ou sur d'autres territoires. Nous sommes en début de mandat, nous sommes dans une période intense pour les élus, qu'ils soient reconduits dans leurs fonctions ou qu'ils soient nouveaux dans la charge. Et quelque part, c'est le moment où on se prépare avec nos bonnes résolutions à lancer les 70 mois de mandat avec son équipe et avec le beau programme que l'on a proposé aux concitoyens qui finalement nous ont fait confiance. Pourquoi il faut travailler ensemble? Pourquoi il faut travailler dans des structures comme Réseauville de manière à pouvoir échanger, confronter nos idées? C'est tout simplement parce que le mandat est passionnant, on peut y vivre des sensations extraordinaires et agir pour nos territoires, mais ça ne peut pas se faire sans regarder ce qui se passe de l'autre côté du pont, de l'autre côté, au-delà de l'horizon. Et ça se fait dans des structures où les hommes, les femmes échangent, frottent un peu leurs idées, frottent un peu leurs expériences, et Réseauville est une très bonne organisation pour cela. Il faut que les élus s'habituent à se former en permanence et à se confronter aux autres expériences en permanence. C'est comme ça qu'on reste pertinent, performant, et c'est dès maintenant finalement qu'il faut penser à 2026, donc c'est dès maintenant finalement qu'il faut commencer à travailler pour préparer la suite.